on a réussi à vous piéger. Depuis plusieurs nuits, les extraterrestres semblent manquer de discrétion. Merci d'avoir relayé cette information. Un ovni a-t-il été observé ces dernières nuits dans le ciel d'Occitanie? De nombreux témoins publient des photos et des vidéos assez surprenantes. Depuis plusieurs nuits, les extraterrestres semblent manquer de discrétion. Hier, il est 22h quand un cheval hennit dans ce haras. Cette éleveuse sort pour vérifier que tout va bien. La suite, elle l'a filmé. Bonjour les médias, c'est Rémi Gaillard et j'aimerais vous présenter Marie qui habite Marciargues dans l'Hérault. C'est ça. Ok, et Loïc, tu habites à Martignargues dans le Gard. Tu fais quoi dans la vie Marie? Alors j'élève bien des chevaux et j'ai un petit refuge pour animaux. D'accord, un refuge avec la vache qui s'appelle Mo la vache. Je voyais ma vache avec un cercle autour. Et Loïc, dans la vie, tu... Eh bien, moi je suis météorologue et j'ai fondé le média Météo Garéro. Voilà, tout s'explique finalement. Sur les réseaux sociaux, certains pensent à des essais militaires, des drones ou des météorites. En termes de phénomènes météorologiques, ça semble pas du tout coller. Voilà, je voulais vous les présenter parce que grâce à vous, hein, grâce à eux, on a réussi à vous piéger. Là, les ovnis, est-ce qu'ils sont passés dans ton ciel? Ça reste un mystère. Il n'y a que... Bon, c'est les journalistes de TF1 qui s'en vont. Et je note que nos correspondants ont beaucoup d'imagination. Merci à tous les autres qui m'ont aidé à monter cette supercherie depuis quelques semaines. Quoique ça a été très vite. On a eu l'idée mardi, vendredi, ils en parlaient sur TF1. N'importe quoi qu'on devient... N'importe qui. Non, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient des ovnis.